surtout qu'il faudra une grosse énergie sur le terrain samedi, une grosse conviction de vouloir remporter la rencontre pour battre Toulon. C'est un match qui va être extrêmement difficile et si on n'est pas, vraiment bien préparé dans les têtes, ça sera compliqué d'accéder aux phases finales, du moins au barrage. Et nous, je pense qu'on a la meilleure pelouse naturelle de France, tu vois, et on a soi-disant les meilleurs supporters de France, mais on va voir parce que quand on arrive en bus, on va voir si on va être bloqué au bout de la rue là, ou si on va être juste bloqué par nos fidèles supporters qui sont là à toutes les rencontres, mais j'espère qu'on aura beaucoup de monde pour nous accueillir, parce que le couvre-feu, il commence qu'à 21h et on va arriver vers 7h30 au stade, je pense. On a un match à gagner, à nous de bien se préparer, de respecter cette équipe de Toulon, qui est une équipe qui est très costaud, très massive, avec des joueurs capables de faire la différence à tout moment, avec leur trio arrière, les joueurs qui sont costauds devant, donc on sait ce qui nous attend à 21h samedi ici à Castres. Mais on serait trop bête de s'éparpiller maintenant et j'ose espérer que le groupe sera assez grand et assez mature pour être focus tout au long de la semaine et rendre la meilleure copie possible ce week-end parce que voilà, on a tout un peuple qui est derrière nous, on sent une émulation de tout un peuple, on a plein de supporters, voilà, ça fait des mois qu'ils ne nous voient pas, qu'ils sont derrière leurs écrans, on a envie de leur offrir une belle fin de saison. Oh, mais bien sûr, contre Toulon, ça va se jouer à l'équipe qui a le plus envie. C'est du 50-50, c'est une grande équipe. Voilà, tout est possible ce week-end. Ils peuvent se qualifier, on peut se qualifier. Ils viennent chercher la victoire. On veut absolument gagner parce qu'on est chez nous. Voilà, ça va être la défense, l'attaque, être précis sur nos lancements, précis dans le jeu, précis en défense. Voilà, maintenant, comme dit Pierre, c'est un huitième de finale, donc tout est possible.